communication et mis en danger les agents. Diana, elle arrête pas de... les Diana. Merci, vous êtes revenu, comme vous l'aviez dit. J'ai eu tellement peur. C'était des coups de feu. Chut, reste calme. J'ai promis à Diana de te protéger. Qu'est-ce que c'est ? Chut, dis plus rien. C'est Wade. Ce type aime le sang. C'est sa drogue. C'est sûrement pour ça que personne ne l'a jamais coincé, d'ailleurs. Les choses à moitié. Établir le courant. Sœur Marie attend au sous-sol. Je vous retrouve là-bas. Merde ! Ça va trop loin. Qu'est-ce que vous faites ? On finit ce qu'on a commencé. Bien. On doit trouver cette fille. Merde ! Il plaisante pas. C'est rien comparé à ce qui nous attend si on trouve pas cette fille. Va voir s'ils ont quelque chose. Ouais. Ouais, on est en train de chercher. Toujours rien. T'en fais pas, on va la trouver. Ça marche. Thank you.
fait des conneries. Personne. Et dire que mes points, Alice et Carole, voulaient avoir de l'action. Hein? Il s'est... Thank you.
dessus depuis un moment. C'est un coriace. J'ai horreur de ce genre de méthode. Hé, hey, toi! Oui, toi! Viens par ici, que je puisse te voir. Hé, hey, reviens! Il essaie de nous embrouiller en se déguisant! Depuis un moment. C'est un coriace. J'ai horreur ce genre de choses. Bon, rapprochez-vous. Allez, sors. Trouvez-moi cette pétale avant qu'ils vous fassent tous castrer. Retournez tout le bâtiment s'il le faut. Au boulot. Merde. Il était furax. Je sais pas. Arrête tes conneries. Mauvais. Oh merde! On a touché le gros lot! On va être riche, putain! Ouais. C'est quoi la théâtre pour entrer? Qu'est-ce que soit de ces bulles? J'en sais rien, mais ça sonne bien. Je suis sûr que si t'en prends assez, tu dois décoller! Ouais! Ah, pas con, il faudrait que... Arrêtez vos conneries! Prenez tout ce que vous pouvez! Oh merde, voilà le boss! On va réussir à faire tout le tour. Quoi ? Hé, vous ! Hé ! Sortez d'ici ! Hé ! À quoi tu joues, tête de nœud ? Merde. Quoi. Hey,
maintenant. Partir vivant. 2, 3, 4 là. Pour distraire, putain. Quel rigolo, montre-toi. Ah, pas la peine de gâcher une balle pour ça. Aïe aïe aïe. Oh putain. Oh là là, il y a trop de monde, trop de monde, trop de monde. J'ai oublié de passer par là. Je viens d'avoir... Tu
ça peut foutre. Birdie a vendu Victoria pour sauver sa propre peau. Quatrième fusil me manque. On recommence. Me tuez pas, des bugs. Non, c'est pas là la sortie. Ah, oh, c'est l'étage du dessous. Ok.
Les gars, vous pouvez venir une minute? Quelque chose de louche. Ça pue. Moi aussi, je veux en être. Le fiston à son papa. Alors on s'est tiré sur la nouille toute la journée, hein, pas vrai? Ferme-la, Wade. Hey, tu te prends pour un dur, Lenny. Hein? Un vrai dur. Arrête! Allez, quoi, un vrai dur, c'est ça? Allez, gros dur, allez, viens! Viens! Non, écoute, ok, tu vas voir. La ferme, salope! Ou je te mets une balle dans le cul! Attention tout le monde, faites un peu de place à Lenny la patte folle. Allez! Tu sais quoi, Wade? Va te faire... Oh, oh merde, merde! J'ai du sang sur les mains, Wade! Vous avez vu ça? Elle a explosé comme une pastèque! Lenny! Je vais te dire, Lenny. Va mieux de laisser les adultes nettoyer ça. Hmm. Restez là, les gars. Bien joué, Lenny. Bien joué. Tu as pensé à ça? Je crois qu'on ferait mieux de foutre le camp. N'importe quoi. S'ils étaient là, on le saurait. Détends-toi, tu veux? Un peu baisé quoi. Alors
Tu bouges ou faut que je te coupe le bras, toi? Hey, bouge. Ici. Heureusement que tu prends pas trop loin. Risque la chaise parce que ce taré a des comptes à régler. Moins fort, putain. T'entends? Ferme-la, fais ton boulot. T'es payé, Mélissa. Je peux pas me... Merde, je me suis fait rôder. J'espère que ce sera long et douloureux, sale fils de pute. Et toi, si jamais tu bouges, je lui colle une balle dans la tête. Ouais, t'as bien entendu. Ouais, voilà ce qui arrive quand on cherche Lenny. Fallait pas chercher Lenny. Fallait pas me chercher, connard. Hope, Dakota du Sud. Eh ben, ça fait une sacrée trotte. Oh.
la trique, putain. Et pourquoi j'ai la trique? Alors, le fameux Birdie. J'espère que t'as une bonne raison pour m'avoir traîné jusqu'ici. Eh, je suis là pour offrir mes services. Ce kidnapping que vous préparez, je crois que vous mesurez pas vraiment l'adversaire qui vous attend. Ça alors, tu t'inquiètes pour moi. Laisse-moi voir de plus près si ton visage m'inspire confiance. Dom est mort. Un petit cadeau du chauve. Ça veut dire qu'il vous faut un nouvel agent de liaison. Et qui serait mieux placé que moi pour ça? J'ai pas raison? Non, Birdie, t'as pas raison. Tu vois, j'ai déjà la fille. Ce qui veut dire que j'ai pas vraiment besoin de toi, pas vrai? Attendez, 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 pas la peine de s'énerver, je vous en prie. Écoutez, vous comprenez pas? Vous voulez le plus offrant? Alors laissez-moi m'occuper de la transaction. C'est ma spécialité. Birdie, tu crois que je suis pas capable de retracer tes appels sur ton portable, hein? Ah, une magnifique journée, non? Birdie, qui c'est... Ah, comment elle s'appelle déjà? Jade. Qui c'est, Jade? Allez vous faire foutre! Mauvaise réponse. Ah, j'adore ce pays. Un homme peut accomplir tout ce qu'il veut à condition d'avoir un cerveau et des coronets. Ok! Ok, 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 c'est une nouvelle recrue, l'agence. L'agence? T'es en train de me dire que l'agence est liée à Victoria? Ouais! Relâche-le. Ces gens sont vraiment dangereux. Si vous les cherchez, c'est eux qui vous trouvent. Mais si vous me laissez jouer les intermédiaires... Réfléchissez, puisqu'elles comptent assez à leurs yeux pour qu'ils envoient leur tueur. Ça veut dire qu'elle vaut des millions. Des millions. Je vais tenter ma chance. Tu peux y aller, Birdie. Tu m'as été très utile. Mais si je revois ta tête de sale fouine, je me ferai un plaisir de t'enterrer aux côtés de nos pères fondateurs. C'est une promesse que je te fais. Et je tiens parole. C'est fini. C'est fini. Tu crois pouvoir me quitter comme ça? Tu vas le regretter, crois-moi. J'ai une surprise pour toi. Ouais. Ouais. En fait, j'ai une surprise pour tout le monde. Mmh.
quelque chose d'intéressant. Tu veux pas te barrer, toi? Comme elle. Tapette de motard. Qui c'est que tu traites de tapette? Je me suis fait tabasser. Son effet arrive. On la refait. Calme, je bosse ici, ok? Me tuez pas, j'ai pas choisi de bosser ici. Chez le barbier! Tous les jours, midi pile! Salut mec, alors la vie à la campagne, les ploucs sont gentils avec toi? Quand t'auras le temps, tu passeras à l'armurerie de McGarmon, je t'ai fait livrer un petit cadeau.
Monsieur, il faut vraiment que vous voyez ça. Quoi ? C'est un cadeau. D'une vieille connexion. En fait, il avait disparu depuis quelques années. Nom de code, Birdie. Avec un nom pareil, c'est vraiment pas étonnant qu'il ait disparu. C'est un cadeau. Ce ne serait pas du vol. Bon, écoutez. Je voulais voir si vous êtes capable de tirer mes petites filles. Vous croyez que vous tirez mes petites filles? Ça dépend de la fille. Quelle amitié vient de servir à côté de ma petite Lily? On va voir ce que vous valez. Salut, Cowboy. Il paraît que vous voulez vous mesurer à moi. Ok, avancez et prenez l'arme que vous voulez dans le magasin. Quand vous serez équipé, revenez me voir. Et là, on passera aux choses sérieuses. Vous en faites pas pour les munitions. Tant que vous jouez avec moi, ce sera crédit illimité. Pour un fusil de combat. Elle devrait être rangée au fond avec les autres. Ouais, j'ai regardé, mais j'ai rien trouvé. Hein? C'est bizarre. On en avait encore ce matin. Hey, comme neuf. Et je sais qu'on en a plus dans la réserve. Oh, taré a beaucoup utilisé sur les formes de tir. Vraiment? En une seule journée. Ouais! C'est quoi son problème à ce niveau? Comme ça, on va voir. C'était juste pour éteindre la lumière en fait.
comment je fais pour jouer avec toi? Un participant ou quoi? Ok. Oh merde. Salaud. Monsieur, on l'a trouvé. Birdie avait raison, il est à Hope, Dakota du Sud. Et la fille? Elle n'est pas avec lui. Ok les gars, écoutez-moi! Je donne le feu vert pour cette opération! Je veux la tête de 47 sur un plateau! Exécution! Monsieur, vous ne pensez pas que notre priorité numéro un devrait être de trouver la fille? Non, Jade. Et d'abord, on neutralise le renégat qui a provoqué ce merdier. Il nous dira où elle est. Faites-moi confiance. On trouve 47. On trouvera la fille. Et cette fois, on ne le rate pas!
Il est temps d'envoyer les saintes. Tyler t'a expliqué son plan. On va enlever la fille sous le nez de Dexter et la vendre nous-mêmes. Il est déjà en contact avec les marchands d'armes concurrents. On parle d'un nombre à 6 chiffres, là. Merde! C'est risqué d'essayer de doubler Monsieur Dexter. T'as pas pu oublier. Ouais, Darian, il a déconné. Si tu veux mon avis, il méritait ce qui lui est arrivé. Écoute, tu veux passer toute ta vie à faire le larbin pour le boiteux? Allez, à grand. Désolé, la boutique est fermée. Peut-être définitivement. Vous allez devoir faire vos achats ailleurs. C'est quoi ça? Écoute, tu dois partir, maintenant. Honte. Sortez de ma vie, l'espace vital, merci d'avance. Hey. Non, il redescend. Ah, il a descendu. C'est même pas la peine. Okay. Alors, bon. Crispé. Ouais, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Peut-être louper ma chance là.
un café à la maison, un de ces quatre. Hé, hey, comment ça va? Excusez-moi, je peux vous aider? Vous attendez quelque chose de moi? Je comprends pas. Allez, deuxième essai. Cette fois-ci, il monte. Et croyez-moi, il sera moins sympa que moi. Il y a les explosifs, il y a le gaz, il y a tout. Il monte. Quand même attendre qu'ils se mettent près de la penderie. Il va être en haut. Voilà. Tac, boum. Bon, le gars, ça a pas fait grand chose. Hein. Ok, un de moi. Interdite. Pas besoin de courir, monsieur. Il se passe jamais rien dans cette ville. Explosion aussi. Ah, ça aurait pu devenir moche. C'est pas normal. Chloé, c'est moi. Pas de raison de s'inquiéter. Restez calme, d'accord? Je suis un policier. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Ouais. Y a quelqu'un? Bougez pas, restez ici. Oh, arrêtez-vous ici, monsieur. Merde. Oh, regarde, tes poignets sont assortis pile poil à mes jolis bracelets. Allez, garde les mains en l'air. Là, ça pue. Hé, hey, c'est moi. Ouais, je suis sûr qu'il est dans le coin. C'est pas un professionnel, il a laissé plein de traces. Transmets l'info à tout le monde. Il est passé, bon sang! Mais où il est passé? Je vais recommencer. Paul, oui. Le premier était propre, mais là le deuxième. Incendie ou quoi? Désolé, la boutique est fermée.
mal entendre. Ah, je peux pas les poser, putain. Tiens, on va laisser ça comme ça. Coup. Non, non, on avait un accord. Essayez pas de m'arnaquer. C'est ce qu'ils vont pas marcher. Pas de chance pour toi, je suis flic et tu vas prendre cher. Mieux de partir, mon gars. C'est la merde par ici. Oh merde, j'ai buté la mauvaise. Ok. Pourquoi tu t'enfuis comme ça? Désolé, la boutique est fermée. Peut-être définitivement. Vous allez devoir faire vos achats ailleurs. Baseline syndrome, biosomers, shutterhackism. A Dr. Greg Lassner's coaching and therapy seminars. No one judges you.
pas le louper cette fois-ci. Tac, boum. À chaque fois. Très bien. Et on peut pas passer cette ligne, putain. Petit déguisement là de mécano ou... Ok. Une distraction, qu'est-ce que j'ai rien. Okay. S'il faut, ils veulent pas bouger, on va essayer de passer par ailleurs. Hein. Pas du tout ce qu'il y a là-haut. Intérieur de, du hangar, du garage, pas mal là. Qu'un visuel là par contre. Tentez quand même. Passe, ça passe, passe.
ça serait le truc. Ah. La cible arrive. Ce qui devrait pas tarder. Il bouge pas, putain. Allez, alors voilà. Ah. Ça marche ailleurs ou quoi? Alors voilà. Passe en dessous. Notre client. C'était pas tout à fait comme ça que je voulais la jouer, mais c'est pas grave. La sortie c'est par là. J'aurais dû avoir quelque chose pour distraire en fait. On va la tirer sur la caisse. C'est un demi-échec.
Hop, 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 il y a beaucoup de monde là. Non, j'ai pas le tuer quand même. Quelle heure. Cacher un truc. Qui descend. Quand il est là, je peux monter. Parce que c'est difficile, d'accord avec toi. C'est quand même, après, des fois tu t'en sors un peu à la cow-boy, mais tu t'en sors. C'est ce que j'essaye de faire jusqu'au moment où je me fais roder et après bah, c'est fini en bain de sang tout simplement. J'ai une un verre média. Donc ils piquent tous de la bière, voilà. Avec les sommiers faire de la pizza. Plutôt que tout le monde m'a rodé, super. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je le recommence. Dans l'idée, c'était ça. Dans l'idée. T'as de la pizza. Ouais, il va falloir détourner leur attention. Un chargement de 10 minutes, très bien.
de lancer qu'il a monté. Je reprends pas très loin, ça va. Les gens sont vraiment prêts à tout pour passer à la télé. On l'a fait en bas, super. Et on prend le costume, voilà. Et là on est. Ok. Maintenant faut que je trouve comment poser la pizza. Indication que ça. Passez une bonne journée. Ok, donc là je suis ressorti. J'aime bien ouvrir le gaz toujours. Quelque part. Hey,
passe. Pas grand chose à faire là. Hey, quoi de neuf? Donc lui il est mort, ok, ensuite. Quelque chose là dans mon piège. Putain. Ah le boulet. Peux-tu? Cette sauce a du succès. Je crois que les gars en mettent même dans leur bière. Va m'en chercher une autre bouteille. Je vous apporte ça tout de suite. Un peu dans la sauce. Pourquoi tu cours comme ça? T'es pas du genre bavard, hein? Je comprends. Tu fais juste ton boulot. Une qualité pour un barbier. Qu'est-ce qu'il fait, ce type? Pourquoi tu cours dans tous les sens? T'as vu un fantôme ou quoi? Bon sang, regarde-toi. Qui aurait dû rester au lit aujourd'hui? Cramé. Va brûler le bar. Après, je sais pas du tout comment. Baleni va. Qu'est-ce que je.
paquet, voir. Hé, hey, mais tu sortais pas avec ma sœur, toi? Attends un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quand est-ce qu'il va lui demander d'aller chercher la sauce. Ok, c'est toujours ouvert. Hein. J'ai jamais rien vu d'aussi terrible. Où sont les secours? Mais il est mort ton pote. Oh merde! Se répète-moi. Content que ce soit pas le cas. Ah mais attends, il va jamais aller chercher de la sauce vu que... qu'il est là. Ouais. Elle est où cette saloperie d'ambulance? Notre moyen. Écoute, mec, je cherche pas un petit aliment avec le cul immédiatement. Oh, une étincelle. Le mec, il me faudrait. Que la radio, ça va faire quelque chose. Depuis le temps que j'ai allumé le gaz, on devrait tous être morts là. Débile! Pourquoi t'es accroupi? Genre, t'es en train de jouer à l'espion?
Ok, c'est un échec. Wow, qui a allumé ça? La ferme.